Et on est reparti. Alors, je pense que là, il y a, y a moyen de reprendre pas mal de points. Alors, au moins 3. Donc on va en profiter. On a au moins 2. Ah, 3. Très bien. Après, il pourrait se mettre en jeu et tout ça, mais c'est 2. C'est que 3 ennemis. Donc en gros, c'est vous utilisez 2. Il faut au moins tuer 3 personnes pour être rentable. Donc non, trop dangereux. La perte de bravoure, ça. Aucun. Un peu trop proche des ennemis, elle. Par contre. Voir leur mouvement en plus. C'est un peu abusé quand même. Elle, elle va pouvoir toucher. Alors. Oui, il va peut-être pouvoir. Ouais, mais attends, je vais utiliser tout son déplacement en fait. Ah, va à côté de ton copain. Un cœur pourrait le tuer. L'archer qui est là, là, il m'embête un peu. Il risque de toucher des gens. Il va sûrement toucher des gens. Celui-là, là.
Il va complètement toucher des gens. Ça va, il résiste. Luciel a encore de l'armure. J'avais buffé les gens. Okay. À 14 mètres. Est-ce qu'elle peut le tuer ou pas? Il y a 34. Non, elle va pas pouvoir tuer. Je les bouge parce que je les ai mal placés, ils se gênent un peu l'un l'autre. Genre, je peux pas envoyer Kirik et revenir dans un endroit tranquille. Oh yes. Bien joué. Voilà, c'est un peu mieux. Évidemment, Kirik qui prend pas le buff parce que merde. Ça va, l'ours il récupère de la vie hein, chaque tour et tout ça. Vu qu'il en a beaucoup, il en récupère, il en perd beaucoup, mais par les dots, mais il en gagne aussi beaucoup quand même. D'archers là qui me font chier en fait. C'est pour ça que j'ose pas bouger. Mais je peux me mettre là. J'ai combien de déplacements? 28 mètres. Il me resterait 10 mètres. Plus le dash. Vas-y. Bien, en plus ça les débuffe. Donc ils feront moins de dégâts. Ok. Ils sont presque quasiment tous en feu. Quasiment tous en feu. Très bien. Combien de 10? Ah mais ils le disent pas. 15% de la santé maximum, ouais mais bon. Eux, au final ils vont mourir de dot. Là, il faut pas que je l'expose parce que sinon... On va se prendre une flèche perdue.
20 mètres de déplacement. Peux pas. Je peux pas me permettre de l'exposer plus que ça, en fait. On va soigner. Il y a zéro moyen de toucher les ennemis et pas les autres. Soigner Will au cas où. Okay, ça va être le l'heure des archers là. Elle a pris zéro dégâts ou quoi? Ah, elle a peut-être pris des zéro dégâts. Il avait affaiblissement. Et elle avait 90% de défense. Ah, très bien. Je vais être honnête, je commence un peu à fatiguer. Si les autres pouvaient soigner, genre qu'ils avaient un régène, petit régène ou un truc comme ça, serait cool. Il y en a beaucoup en arrière-plan qui vont mourir quand même. Sans avoir jamais vu nos lignes. Donc ça c'est une bonne chose.
26 mètres. Non, on va le garder de côté. On aurait dû même le mettre sur la gauche, peut-être, Will. Toi tu peux te mettre où? Bah toi tu bouges pas en fait. Voilà. Toi tu vas mourir. Ah non, encore de la vie. Waouh. Yay. Pause. C'est reparti. Alors. Ok, lui fait chier. Ok, parfait. On va laisser le cheval par là. Oh, mais vient de brûler. Peut-être ils ont commencé à comprendre, non? Non. Ok. Mais je vais pas le tuer, lui. Bien. C'est quoi sa portée, elle? Elle, du coup, faudrait qu'elle avance. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en joue? Ah, mais elle peut rester hors de portée et attaquer, je crois. Ah, le con n'est pas bon, en fait. Le con n'est pas bon contre les archers. Je sais pas si je gagne habilité, si ça m'arrange ou pas. On peut voir, ça me fait un point qui part. Je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne en fait sur ça. Non, on va pas le faire. J'ai l'impression que ça va être des points pour rien, pour gâcher. De la bravoure gâchée. Ça va.
Il peut faire un G, mais putain, ça va être chaud, quoi. C'est elle qui a pas bougé, la braconnière en fait. Donc on peut faire un truc. Je sais pas si je vais pouvoir revenir. Cent douze. Cent soixante-douze. Faire double clic sur les portraits, ça aide aussi. Ah tiens, faut buffer les gens. Il y a Wheat qui peut être pas mal aussi, hein, parce qu'à chaque fois il s'enlève le feu, donc lui il risque rien. Eux ils font la ligne. Toi t'as 40 mètres de déplacement. On va peut-être en profiter. Très bien. Quoique. On chie ces archers là. J'ai envie de... d'y aller avec Lucie et tuer les archers. Pour éviter qu'ils me foutent dans la merde à me tirer sur n'importe qui. Ils vont sûrement pas tirer sur Lucie, en fait, ça le problème. J'ai un peur qu'ils passent genre là et qu'ils me tirent sur par exemple One Heart. J'ai encore un soin. Ouais, il y a Méné qui peut soigner. Après, Lucie, elle peut survivre à un feu quand même. Hein. Elle avait le... Si elle avait le truc anti-feu, quoi, putain. Est-ce que ça serait bien? Qu'est-ce que ça serait bien? Des tanks dans le feu et qui campent dans le feu. Magnifique, quoi.
Ah, je voulais faire la lance, mais... En fait, pas utile. Ah, si tu te mets là, tu peux tuer le truc. T'as 16 mètres. Attends, c'est combien ça? Si tu peux me faire le... L'archer, je dis pas non, en fait. Celui-là, je vais me brûler. Lui, par contre, on peut le faire avec les rats. Donc... Voilà. Très bien. Yes. Non, attends. Ne me fais pas de conneries de te mettre dans le feu. Je pourrais l'utiliser, mais je préfère la garder, la lance. Au cas où. Les mecs, vous voulez vraiment pas abandonner au bout d'un moment? Je vais tellement récupérer encore plus de rats, de rats-taupes. Les rats-taupes, c'est magnifique en fait. Les petits rats, c'est bien, mais ils sont trop fragiles. Les rats-taupes, ils sont magnifiques. La fièvre, c'est bien, mais sans plus, quoi. Alors, là, par contre, on a du frontline. On a du frontline, ça marche. On va garder Will pour tuer ça. Le mec qui va avancer devrait être bon, devrait pouvoir se le faire. Voilà. Alors feu poison sur l'ours, mais on va pouvoir l'enlever. Enfin, on va pouvoir l'enlever? On peut l'enlever. Ouais, on peut l'enlever. Sans trop de problèmes. Là, on a lui. Ça devrait aller aussi. C'est pour ça que je voulais l'enlever, comme ça je peux directement jouer sans perdre de vie et on peut le tuer. Bon, l'acharnement, je pensais pas. Mais... Ah! Pas grave, on n'a plus besoin de le jouer, l'ours. Bon, lui il devrait mourir. Tiens, c'est marrant, tu m'as pas brûlé l'ours. Intéressant. Pas avancer sans me brûler. Attends. Ah si, en fait. Je crois que si.
Je crois que je peux faire un jeu là. En deux coups. Parce que le carré, il est... Carré, il est là. On voit même plus les carrés, quoi. Là, je me brûle pas. Ok, deuxième coup, ça sera Will. Et il va le tuer. Me fera un point. Très bien. Est-ce que ça vaut le coup de faire un tir? J'en pense pas. Il y a au moins 4 archers là dans le coin à gauche. Ça fait un peu peur. Tiens, j'ai pas joué War aussi. Intéressant. À 24 mètres. Ouh. Cool. Voilà. Là, lui va se prendre une lance, par exemple. On va avoir des dégâts, mais ça va. Je crois que toi, tu peux te mettre là en backup pour bloquer. Les tours vont un peu plus vite maintenant, quand même. Alors, on soignera le prochain tour. Est-ce que... Ah oui. Ah oui, non, tu la one shot, oui. Taurus, est-ce qu'il récupère... Comment il récupère des... Ok. Récupère un point? Non. Je comprends pas pourquoi ça veut pas. C'est parce qu'en fait, forcer l'engagement ne fonctionne pas, je crois. Je crois que forcer l'engagement, parce que là, elle était déjà engagée, la fille. Donc il l'a volé, l'engagement, pour ainsi dire. Je crois que ça marche pas. On gagne pas de points. Ça, c'est con, ça. Il s'engage, quoi. C'est encore des âmes perdues, là. Non mais je vais pas engager le rat. Faudrait que leur vie soit grisée comme nous quand ils ont joué. Ou alors un icône ou un indicateur. Aveuglement.
utile, mais bon. Ah putain, je peux pas m'avancer et taper. Ouais, toi, la façon dont tu tapes, c'est pas très utile en fait. Enfin, pas sur ce. Sur ce plan-là. Combien de mètres? 13 mètres. Dix. Non. Il y a des archers ou pas? Alors là, il n'y a plus d'archers. Hein. Ah, si, y en a un peu. Ouais, en arrière, quoi. Ils se prennent une flèche, c'est fini quoi. Il y a un autre tour qui va se finir. Plus que 31. Ok, ça a brûlé. Tu brûles pas. Après, le danger, c'est quand il va rester quelques personnes, je pense. Parce que là, ils pourront plus bloquer les uns les autres. Bon début. Alors là, on a une belle ligne de trois personnes. Je crois qu'ils sont bien bloqués les uns les autres en fait. Là, je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Pas vraiment de sens. En fait, non, ils peuvent passer, je crois, au final. Faudrait que j'ai plus de visibilité. Parce que là, on voit rien avec tous les cadavres et tout ça, honnêtement. C'est limite, je comprends un truc au cercle, quoi. Alors. Qu'on va pouvoir. Faudrait faire avancer l'ours. Peut soigner l'ours. D'abord. Ah, mais après, je peux plus faire mon lancement en fait. La merde. Il est où, Wallart? Je pense qu'on peut faire des morts avec Wallart. Peut-être potentiellement deux. Potentiellement deux morts.
Un critique. Pas sur lui. Bon, on a récupéré un point, c'est bien. Parce que là, j'aimerais bien taper. Est-ce qu'elle va le tuer? Elle a une force en fait décuplée comparée à eux, vu qu'ils sont bas niveau. Mais vu qu'ils font file indienne et qui passent leur temps à brûler, honnêtement, non. Honnêtement, non. Si je m'enlève le feu. Non, le plus safe, ça serait d'abord de faire lui. Ah, il est full HP. Et après, on se place ici pour la soigner le prochain tour. Ah merde, faut que je me mette à côté d'un allié. Ah, à la limite, oui, tu peux. Il peut soigner. Je peux lui enlever le feu. Après, moi, je fais la protection, là. Comme ça, moins 70% au prochain coup. Et elle prend pas les dégâts de feu, aussi. Tout le monde a protection, on a encore pour ce tour-là, donc ça va. Il a beaucoup de déplacements, 28 mètres. Je crois qu'on peut récupérer un point. Oui, on peut. Bon, je vais peut-être pas faire les trois, parce que c'est dangereux. Plus je m'éloigne, et plus je vais me foutre dans la merde. Mais je peux faire ça. Ralentissement, affaiblissement. Là, c'est pas mal. J'ai un paquet de beef jerky. Je crois que ça va faire 4 heures que je suis sur le combat en fait en tout. Ah, j'ai fait des pauses évidemment, hein. Mais truc, j'ai. Bah, je crois que ça doit être mon deuxième sac en fait. Je pense que je vais la jouer maintenant, comme ça évitera qu'elle rebrûle en fait. Je sais pas comment déviation fonctionne, c'est dégâts suivis à la prochaine attaque réduite. De la prochaine attaque. Donc c'est une seule attaque, c'est tout, hein. Bien. Ils ont tous des pavois, ces cons, les tanks là. Donc ça veut dire qu'ils prennent quasiment aucun dégât avec l'archer. Oh. Là, on a une proie là. Hop là. Bien, bien joué. Très bien joué. Ok, lui maintenant il va jouer. Il devrait faire aucun dégât.
Tant qu'elle a de l'armure, elle a 46% de protection. Si elle a plus d'armure, le blocage ne fonctionne plus, si je dis pas de bêtises. Non, la garde, pardon. La garde. La garde descend à 0 du coup. Alors, Will, il peut peut-être faire un peu de saignement. Peut-être faire des ki en plus. L'autre devant, il va pas faire grand chose, donc c'est pas vraiment une menace. Par contre, mettre saignement au prochain, ça peut être intéressant. Ah, parce qu'il a déjà. Il avait déjà ralentissement. Grâce à 8. Donc, du coup, il a gagné aussi saignement. Très bien. J'avais pas pensé à ça. Oh la vache. C'est bien les lanciers. Voilà, un dégât, très bien. Et tu brûles. Du coup, elle a perdu, on est d'accord? Ouais, elle a perdu le 60%. 18 points d'armure. Ok. C'est surtout l'allée qui va prendre. L'ours, ouais, l'ours il pourra contrer quoi. Elle peut aller n'importe où en fait. Merde. Ouh, c'est dangereux ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouh. J'avais pas vu ça. Après, ça m'étonnerait qu'elle ait vite, hein, mais... Ah tiens, on peut pas prendre le feu. Genre maintenant... Maintenant, elle peut toujours aller à gauche, mais elle peut plus aller à droite. Du coup, nous, on fait ça. Et voilà. Maintenant, c'est fini. Elle peut plus bouger. Très bien. Vas-y, défonce ton pote. Bien. Ouh, encore eu que j'avais vu ça. Hein. Ah, parce que là, elle allait sur machin, c'est fini, quoi. Très bien. Très bien. J'attends pour jouer l'ours. Lui, il peut bouger ou pas? Lui, il peut aller que là. Ah oui, ils ont ralentissement de toute façon. Donc ils peuvent pas aller très loin. Il y a Kiri qui peut toujours soigner, mais on a que 3 points. Taurus. Taurus, tu peux aller là et tuer, je crois. Ah, je crois que ça nous... Ah bah tiens, on va voir. Vas-y, fais voir. Normalement, là, on gagne un peu ou pas? On en a 3. Allô? Ah non, la case est pas à côte. Merde. Ah, pour le tuer, je devrais faire ça, en fait. Ah, même pas. Non, c'est cette attaque, elle a une portée, en fait. Bon, bah... J'ai envie de dire, c'est fait quoi. Ça fait des dégâts quoi.
L'ours, il est full vie. Là aussi, il y a une belle... Ok, il y a un archer qui peut être dangereux. Bien. Quel carnage, putain. Ok, toi tu peux pas aller très loin de toute façon. Donc, ou tu prends Lucie ou tu prends l'ours. Et tu prends. Enfin, tu vas mourir de toute façon. Je crois. 10 de vie. Ouais, non, c'est bon. Il va mourir. Bon, il va foutre le feu à quelqu'un. Mais... ça qui me fait un peu chier. Ah non, il va foutre le feu à Lucie. Enfin non, il va mettre le feu à personne. Lucie est déjà en feu. Lucie est déjà en feu. Chier, toi. Je crois que je peux la tuer. Il va aller où, lui? Ah, il va aller sur Lucie, du coup. Chier, quoi. Si je mets l'ours à côté de Lucie, ça va l'aider ou pas? Ah, mais du coup, il risque de brûler l'ours. J'en ai... ouais, non. Par contre, si je fais ça... non, ça fait pas support. Cool. Il reste combien? 8 d'armure? Ok. Je crois que là, je peux me permettre. Intéressant, hein, le dot de feu au final, hein. Ça peut faire des trucs intéressants. Je peux le tuer avec l'ours, du coup. Quand Lucie aura plus d'armure, ça risque d'être un problème. Euh...
sais pas si je peux l'avancer. Il y a des archers? Si, il y a un archer là. Ça me fout dans la merde. Donc on va pas mettre des gens. Attends. Je voudrais bien leur faire péter la gueule, mais... Non, trop dangereux. Trop dangereux. On se fera booster par le cheval après. Bien, bien joué. Espèce d'enfoiré. Non, oh bah lui il va se prendre un critique. C'est bien. Et c'est un nouveau tour. Plus que 23. Alors. Tu vas mourir. Après ceux qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas brûlé, on enverra l'ours. Attends. On va la jouer safe. Ah oh, merde. Ah oh, yes. Hein? Bien joué. Voilà. C'est fait. Ah, bien joué. Bien joué le support. Alors. Toi tu vas mourir. Archa va faire chier, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, il a pas été boosté, merde. Bon, bah, on va pas pouvoir l'utiliser. On va pas pouvoir l'utiliser. Si je m'avance trop, je m'expose aux archers. Un casse-tête chinois, le truc. Le braconnier va me casser les couilles. Faudrait soigner le rat. Il prend combien? Ah bah il va pas. Ouais, non, on va pas soigner plus que ce qu'on prend en dégâts. Toi, par contre, Taurus, tu peux tuer des trucs. Mais je voudrais bien prendre des points en fait. Que ça soit Will qui tue en fait. Voilà. Je crois que lui il a compris ce qui s'est passé. Ça va faire deux tours, je crois qu'il bouge pas.
Alors là, il n'y a personne qui est en danger. Ça va. Voir ce que tu peux faire en déplacement. Ah, il y a Will, ça me fait un peu peur en fait. Ça va. On sait jamais, elle pourrait quand même foncer comme une débile et me toucher quelqu'un dans les rangs derrière. Elle peut passer. Ouais, elle est brûlée. Là, je peux pas y aller sans. Elle brûle pas la truc? Ok. Bon bah. Bah, j'ai envie de te dire, si elle brûle pas. Go quoi. Ah, on va pouvoir tuer. T'as quoi que. Ah, si, quand même. La one shot là, non? Oh la vache, tu me vois. C'est le rat qui va devoir s'en charger. Toi, tu vas mourir aussi. Très bien. Ou alors des loups. Ce serait quoi le mieux, les rats ou les loups? Les loups, c'est que ça mange beaucoup en fait, les loups. Un alpha, ça serait 8. Je crois qu'un loup normal, c'est 6. Ok, on a un deuxième braconnier qui arrive. T'as combien de 40 mètres? Pas si. Putain, il faudrait vraiment s'avancer pour. Dix points d'HP chacun, donc en théorie, dégâts 6, et là c'est. Je sais pas, le feu c'est quoi, c'est 6 aussi. Bah tiens, on va pouvoir soigner le rat. Très bien. Ah, mais le feu, t'es copain. Ah putain. Là encore une fois, on est bon. Ah, est-ce qu'on a. Non, on n'a plus la protection. L'heure du bœuf. Ah, très bien. On aurait pu soigner, j'ai pas voulu soigner. J'aurais pu lui soigner le feu. J'étais peut-être un peu con là. Est-ce que si je fais ça.
Est-ce que c'est du gâchis? Ça m'économiserait. Ça m'économiserait un dégât. Ça serait pas mal parce que j'en ai très. C'est quasiment plus de l'armure. Si elle tire sur Lucie, évidemment. Bon, elle va pas tirer sur Lucie. Elle tire sur Taurus, sale pute. Ça va. Ok, lui il va arriver par contre, fais voir. Ok, lui il peut bouger. Donc faut voir où il va. Non, on soignera après. Soignera après parce qu'elle va, il va sûrement aller sur Lucie et la brûler. Je crois que lui il peut rien faire pour le moment. Vrai que je passe mon tour, mais j'ai pas envie de passer mon tour sans. Ok, toi. Ok, lui on va voir parce que lui il a beaucoup de vie. Ok, parfait. Un. Très bien. Et il lui a mis, comme prévu, du feu. Ok, parfait. T'as combien de mètres? 28. On va se mettre là. Très bien. Honnêtement, ça sert à rien de casser l'armure là. C'est encore à moi, merde. Ok. Alors toi, tu risques d'aller loin par contre. Ah non. Ah, oh, peut-être le. Ah, il va me faire le rat, ce connard. Il va me faire le rat. J'ai peur de l'archer. Je l'avancerai bien. Backer, il peut avancer. Et il va tuer. Au prochain tour, évidemment. On va tuer le. Le truand qui va aller sur le rat. Toute façon, il a encore de la vie, Backer. Il a encore de la vie, donc ça va. J'espère qu'il va pas me tuer le rat par contre. Un peu chier. J'aimerais bien bloquer dans un sens parce que je sais pas s'ils peuvent. Ah non, ils peuvent pas aller très loin en fait. Alors lui il va aller sur le rat, évidemment. Ok, ça va. Ah, il m'a brûlé aussi. Ah bah du coup, ouais, non. Ah, c'est con, j'aurais bien voulu le tuer moi-même, en fait. Ça fait un point. Là, on a deux braconniers à gauche, ça c'est embêtant. Pas bloquer en fait tous les chemins, je suis obligé d'en bloquer un.
Très emmerdant. Merde. Il est pas mort, hein. Il est pas mort. Le 15. Alors... Là, il y en a beaucoup, là. Là, je crois que Walnart, il peut peut-être... Enfin... Walnart, il peut peut-être faire quelque chose. Qu'on le booste au cheval. Enfin, si je me mets là, ça va le toucher ou pas? Un cheval, faut qu'il se déplace mieux, quoi. Merde, ça va. Attends, ça fait une, deux cases. Et là, ça fait combien? Je dirais oui, mais je suis pas sûr. Ouais, on va jouer la sécurité. Il faut absolument que je booste Swanart parce que... Attendez, ça enregistre... Ouais. Parce que là, on veut l'avancer le plus possible pour qu'il fasse des tirs. Peut-être tuer des gens et on récupère des points. À 24 mètres. Oh la vache. Ah ouais non, tu vas pas faire de vraiment de kill quoi. Alors... Je dirais sur ceux de droite sont plus dangereux. Ils ont plus d'armure et tout ça. Plus de vie aussi. Donc du coup les lourds c'est le truc, ils ont eu plus de facilité à pouvoir les tuer je pense. Oh yes, un crit. Un point du coup. L'autre il a eu vulnérabilité. Le cheval, il faut absolument. Le poney là, ce sera full mouvement en fait. Hein, pour les prochains niveaux et tout. Complètement full mouvement tout le temps. Quoi. Même si ça coûte 40, on s'en fout. Quoi. Absolument faire ça quoi. Bon, là, on a des trucs à jouer avant qu'il joue. Alors, toi, t'as pas été boosté. Si je fais ça, je vais perdre mon mouvement. Par contre, je peux peut-être tuer quelqu'un. L'archer là me fait chier. Putain, on a juste à se prendre une attaque. On n'a pas vraiment besoin de s'exposer. Bah non, en fait, il n'y a plus personne derrière. Putain, mais je peux même pas déplacer la caméra pour eux. Je peux... Ah, si, si, ça y est. Non. Ah non, c'est la limite. On n'a pas vraiment besoin de s'exposer plus que ça. J'ai pas envie de me brûler, en fait. Ça, le truc. Déjà que là, lui, il va nous faire chier, le maraudeur. Ah. Ah, 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 ah. Elle a été boostée. Donc je peux peut-être... C'est combien? 24 mètres. Je peux peut-être tuer... Bon, pas lui, mais elle.
Yes. Yes. Attends, on va se mettre là pour laisser passer Kiri si jamais il a besoin. Ok. Toi, c'est bon, tu bougeras pas. Reste encore quelques connards. Lucie. Lucie, elle a le feu ou pas? Non, Lucie, elle a pas le feu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop, on prend un point. Pas mal. Donc on a récupéré on a usé un point, mais on a récupéré un point. Enfin, l'inverse, mais c'est pas grave. Du coup, on n'a rien perdu. Et on a déviation d'activer. Toi, tu vas nous casser les couilles quand même. Hein. Toi, tu vas vraiment. Toi, t'as trop de vie. Et tu vas nous casser les couilles. Ça, c'est là, c'est la différence. Si on avait des vrais persos, genre pas des affranchis, mais des gens avec des habilités, vous voyez la différence? C'est que là, on peut pas, on peut rien faire en fait. On a zéro habilité, on peut rien faire avec. On peut pas faire un truc pour les bloquer, on peut faire que dalle. Là, lui, il va jouer. Je peux pas le bloquer. Je peux pas le tuer. Non, je peux pas. Ça me fait un peu chier. On a remis la protection, hein. Donc on est encore un toit. Putain, toi, tu n'y arriveras jamais là-bas. Oh putain, que c'est. Peut-être que oui, tu peux sauver l'histoire. Let's go. Let's go. Oui, il a sauvé l'histoire. Bon, mais voilà, ça c'est la différence en fait des vrais persos, enfin des persos avec un arbre quoi, de compétences. Eux, on va les laisser. Genre comme j'ai dit, hein, elle fait très mal aussi. Bon, c'est parce qu'elle est niveau 4 aussi, hein, donc elle a un peu du mal. Hein. Pour un combat comme ça qui dure genre 5 heures, tout petit peu de mal. Mais... Bon, bah ça se joue plus que là. À gauche, c'est fini. Là, il y en a 3 derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ben, c'est bon. Pas se jouer à là. Taurus, non. Will, il peut faire un truc. On peut peut-être tuer les deux. Joli javelot. Ah non, là, il touchera pas. Hein. Même ici, il se met dans le coin là, je pourrais pas toucher. Si. Peut dire d'attaquer.
Ça fera un... Non, ça me servira à rien. De toute façon, je vais la jouer, je vais tuer en la jouant. Ça va. Et Gram, elle a joué son rôle. Que 7. 7, mais 2 archers. Pas le moment de faire de la merde. On va se reculer. Ok, je crois qu'il a bloqué la... le passage. Ah, ils peuvent toujours passer à gauche. Ok, à gauche semble... semble être le passage. Il y a Kirik qui est exposé. Ok, ça va. J'ai peur qu'elle avance comme d'habitude, c'est ça la crainte. C'est qu'elle avance et qu'elle tire sur ceux qui ont plus de vie. On a un peu de points, donc il reste plus que 7 personnes. Ok, on va peut-être pas pouvoir soigner l'allée. Attends. Non, je peux plus la soigner. Mais c'est pas grave. De toute façon, avec le cheval, on pourra les booster, les autres. Donc au prochain tour, on avancera vite. Par contre, on va en profiter, là. On peut même tuer les deux, j'ai envie de dire. Ah, quoique. Ah, si, si, si. Ah, mais j'ai pas envie de... Non, j'ai pas envie qu'il... Ah, mais il a ça, lui. Quand cette unité doit mourir, il gagne Berserk et ne meurt pas. S'il a déjà Berserk, il meurt. Ça fait quoi, Berserk? Dégâts et dégâts subis augmentés de 100%. Le petit rat, il a... Non, mais je vais pas pouvoir m'avancer pour taper. Il a poison, il va sûrement mourir. Bon, ça va. Pas le rat taupe, hein, je parle. On va se mettre là. Ah, je peux rien faire. Ah non, ça va. Oh, Puxis a tué. Ah, on devrait y arriver. Faut bien jouer, faut bien jouer. Okay, on continue. Je fais un peu une petite pause.
Alors là, on peut booster tout le monde. La braconnière qui joue. Lucie peut y aller et tuer les deux. Lucie peut y aller et tuer les deux complètement. Mais on... Il faut la jouer intelligemment en fait. Je pense que déjà... Booster eux. Vous voyez, c'est se faire ça en fait. Et complètement utiliser le cheval en fait en tant que booster de mouvement. Ok, très bien. Eux, ils vont être chiants parce qu'ils ont de la vie. Mais comme j'ai dit, Lucie, avec ses dégâts là, elle peut complètement les défoncer. Alors, il est où? One Art à 24 mètres. Si t'arrives à me tuer les deux. Yes, bien joué. Ok. Celle-là, elle a pas joué, je crois, en plus, hein. Donc en théorie, quand elle va jouer, elle va mourir. Je sais plus. Bon, par contre, lui, il nous fait chier. Devrait peut-être aller soigner. Ah, attends, peut-être que elle a quoi? Elle a 40 mètres? Alors attends, la bombe c'est quoi? La bombe c'est 9 mètres. Bon attends, on va déjà tester un truc. Pourquoi elle peut pas... Ah, putain. Faut vraiment le mouvement à travers les cibles. Mais je vais pas y arriver là en fait. C'est un critique automatique quoi. Grâce à Wallart, One Art. Non mais là elle va prendre feu. Hop. Ouah, c'est compliqué là. Hein. Ah là c'est complexe. Hein. Ah là le play c'est complexe. Hein. Là le cerveau il carbure. Putain, je voudrais bien qu'il carbure pour autre chose que les jeux vidéo par contre. Ah, vache. Là on se sort de super problèmes. Mais dans la vraie vie. Que dalle. Hein. Que dalle dans la vraie vie. Le cerveau il sert à rien du tout. Quoi. Ah mais on est bon hein. J'ai la défense ou pas? Non, plus maintenant. Ok. Alors là... je peux passer comme ça. C'est pas grave. Voilà, on s'enlève le feu. Très bien. On va attendre qu'ils viennent, je m'en fous. Aegram, toi t'as joué ton rôle, tu vas te reculer un peu parce que tu me fais un peu peur. Toi t'as encore du mouvement. 24. Très bien. Voilà, le truc qui prennent des HP, c'est bien.
On va les faire revenir doucement. Il y a le rat là, il m'embête. Ah, mais je peux le soigner. On a assez de points. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être plus utile. Genre là, si on remplace les. Si on remplace les râteaux. Les rats, ils ont une case d'humain. Je crois que les loups, ils ont la même case que bah, les ours et les sangliers, je crois. Je crois que c'est une plus grosse case. Donc, c'est un peu chiant. J'ai envie qu'ils viennent en fait. On peut les toucher de là. Regardez-moi ce mur, le nombre de cadavres. Pas mal. Pas soigner notre copine. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ils ont combien de force? Ils ont 23. Elle a 40 plus. Non, 39. Okay. Elle fera toujours des crits sur qui que ce soit. Autant si on la joue, enfin si on la laisse et qu'on met genre posture défensive, oui c'est bien, mais autant faire des kills en fait. Ah, l'ours il a la place pour passer. Ça fait un peu mal, mais... Go. Ça va. On est bon, vas-y Lucie, défonce-le-moi. Ça va faire mal. Voilà. Oh mon dieu, on a gagné. Septel est devenu fin. Septel, elle est devenue fine lame. Septel. Ah les mecs ils sont directement fatigués quoi. Ils sont directement fatigués. Bon, on n'a pas perdu autant de racks que ça hein, parce qu'il y en a qui ont fui dès le début. Donc on 92. Oh la vache. 92 morts, 92 humains. Ça, c'est les carcasses de nos cochons.
Est-ce que ça valait le coup? Ah, on a eu des cuirs pestifiés. Là, ça, c'est parce que il y a les rats. Il y en a un, deux qui sont morts, je crois. Ben, cinq rats en tout, apparemment. On a une dague empoisonnée. On a eu du sang infecté, du coup. On a eu une armure. Une dague. Enfin, deux dagues. Un bouclier. Oh, yes! Ça, c'est bien. Ça vaut le coup. On a eu quatre. H. 4 H, on a une armure lourde, un jack, un arc, encore une armure. C'est bien parce qu'on va être trop lourd pour bouger. Waouh, on a eu beaucoup de choses.650, super. Super, je fais comment moi? Ah, attends, non, c'est les marchands qu'il me faut. Et en plus, on est recherché par la loi. 222 d'expérience et 167 d'influence. Est-ce que ça valait le coup de faire ça? Honnêtement, ouais, c'était cool. C'était cool. Alors, c'était impressionnant. Vous avez vaincu tous ces brigands avec tant de dextérité. Ah, sans deck. Vous êtes vraiment au-dessus du lot des mercenaires. La récompense vous revient entièrement. Ma compagnie et moi avons trop d'honneur pour revendiquer la réussite de cette mission. Ok, cool. Bon, merci. Oh! Je fasse une pause. Une pause, je reviens. Je crois qu'il y avait des marchands juste à côté. Je vais essayer de voir si je peux pas les choper et vendre ça. Sinon, je reste sur la route. Mais ouais, je vais voir. Je vais peut-être couper tout ça. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de virer tout mon loot. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais là, 650. Il nous manque 70. Je crois. Non. Non, poids du de votre camp. Capacité de transport, inventaire. 50, ouais, à peu près 60, 70, ouais. Non, là, on pourra pas. On pourra pas gérer les choses, quoi. Ah, quoique. Attendez, peut-être que. C'est vrai que j'ai mis les. Ah! Peut-être. On n'a plus trop de. Genre, elle a pris fine lamelle. Il n'y a pas écrit les traits, c'est bizarre. Ou alors, je me suis gouré de. Hop. Plus qu'un. Ah non, on est bon, on est bon. Ok. Je vais voir un peu l'inventaire. Bah, du coup, ça nous fait moins de bouche à nourrir, ça c'est sûr. Hein? Mais du coup, on a perdu quoi en fait? Est-ce qu'on a perdu vraiment des trucs intéressants? Alors, le rat pestiféré, l'autre qu'on avait, oui, on l'a perdu. Donc, ça, c'est un peu embêtant parce que les rats, c'est un. Enfin, on va en récupérer d'autres, c'est pas trop grave. Mais j'ai envie de dire, les rats pestiférés, c'est vrai que c'est pas extrêmement utile au final. En fin de compte. Puis en plus, ça, survie de l'espèce, c'est pas intéressant parce qu'à chaque fois, c'est des niveaux 1. Par contre, l'appel de la nuée, c'est un peu plus intéressant. Les râteaux, on en avait 4, on n'en a perdu qu'un seul. Honnêtement, les râteaux sont sympas. Je vais être honnête, moi je pense que les râteaux sont sympas. Ils mangent pas trop en plus et ils sont très dociles. Enfin, ils ont une bonne santé et tout. Et je pense que c'est peut-être mieux que les. C'est peut-être mieux que les loups. Que les loups et les alphas. Parce que les loups et les alphas, ils vont prendre cher alors que eux. Plus ils peuvent augmenter leurs dégâts, ils ont plus de vie, je crois. Si elle est déjà engagée avec un allié, les dégâts sont augmentés de 50%. Et là, on a 25% par râteau palier. Ils peuvent trouver du fromage. Je pense que ça, c'est vachement bien aussi. Là, on a quoi? Là, oui, la nécrophagie, mais bon, c'est pas vraiment intéressant. L'appel de la nuée. Cette unité a rage la nuit. Non, ça c'est mieux ça, je crois. Les unités ne peuvent pas mourir de dégâts provoqués par saignement, poison, brûlure. Enfin, ça c'est pas vraiment très intéressant au final quand on y pense. Que je crois que ça voudrait dire que elle peut pas mourir de dot, mais ça veut dire qu'elle se prend quand même les dégâts de dot. Donc elle peut finir à genre à 1 HP.
Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que la plupart du temps, nous, on bloque les gens. Donc, peut-être que la rage est mieux, je sais pas trop. Mais ouais, je suis très content des ratopes. Et après, bon, l'allée, on en a perdu deux. Il nous reste plus que celle-là. On a perdu notre lait qu'on avait depuis très longtemps. On l'a perdu. Bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très... c'est pas assez bête, quoi. On a perdu tous nos sangliers, du coup. Le cheval, ça va, il a rien eu. Tout le monde est fatigué. Mais c'était la guerre des 30. Voilà, c'était la guerre des 30. Ah, putain. Alors, fais voir un peu l'équipement. Donc là, on a un pavoine niveau 5. Toi, t'as un pavoine niveau 7. Par contre, on peut le mettre à classe K. Ah non, ça va pas être le niveau. Ah si. Nickel. Tu vas avoir un très bon bouclier, ça vaut le coup. Putain, faut que je fasse du tri là. Ça, on le vend. Ah, et Graham, peut-être qu'on a besoin. Non. Et là, on a quoi? De l'intermédiaire. Niveau 5, je pense pas. Attendez, faut enlever ça parce que ça me dérange. Garde et armure. C'est léger. T'as quoi, toi, à la classe K? C'est un truc qu'on t'a crafté, non? 39 et garde. Armure en plaque renforcée. Je crois qu'il y a... Ouais, on avait une... Armure lourde. Arnois plein. Ouais, mais la nôtre est mieux au final. Voilà, un peu plus d'armure, je suis d'accord, mais voilà la force en plus, quoi. Donc, je pense pas qu'on en ait besoin. La masse. La masse, personne. Non, personne n'a besoin de cette masse. Hein. Ça fait fragilité et tout ça, mais... Non. Que Torte, en fait, qui pourrait prendre une masse à la place, mais il a la broyure, là. Ça fait du saignement, donc c'est mieux. Ça, c'est... Mouvement 2, armure 29. Mais non, mais on a beaucoup mieux, en fait. Bah, c'est des bas niveaux les mecs hein, aussi. Hein. Ah peut-être Van Aert. Ah oui j'ai fait des renforts de chasseurs aussi la dernière fois. Dex, armure 22. Un peu plus d'armure mais on perd la Dex. Non ça vaut pas le coup. Là ça vaut pas le coup. Après les arcs, tir vicieux. Pas intéressant. Ça aussi il faudra le vendre. On a quoi? Intermédiaire, mais juste avec de l'armure et de la garde, c'est pas intéressant. Ça non plus. Ça non plus. Deux jacks comme ça non plus. Encore une armure lourde, non. Ça non plus. Ah bah ça nous fait un petit pactole quand même, hein. Plus de 500 je pense, hein. Quoique, donc peut-être moins. 4 grandes gueuses. C'est critique assurée contre les ennemis empoisonnés. Alors ça j'ai envie de dire, comme j'avais déjà précisé, ça c'est une attaque de zone là, de 2 mètres. Ça peut être intéressant quand on fait les rats, parce qu'encore une fois les rats en fait vont s'empoisonner facilement. Donc à la limite ça peut tuer des gens, mais j'en ai déjà une qui est au niveau. Enfin, j'ai la note de base en fait, je crois. Ou alors c'est une note que j'ai gardée. Non, c'est celle-là. Elle est niveau 7, elle est pour les niveaux 6. Qui c'est qui pourrait l'utiliser en plus? Taurus. Ouais, Taurus il pourrait l'utiliser en fait, mais je crois qu'il n'y a que lui au final. Ah oui, tiens, les gens qui utilisent les haches, j'en ai pas beaucoup. J'en ai qu'un. J'en ai qu'un? J'ai beaucoup de gens qui utilisent les masses en fait. Genre une masse, deux, trois, quatre. J'ai quatre masses. Il faudrait beaucoup plus de gens.
Avec des haches. Parce qu'ils ont des trucs sympas en plus. Ouais, ils ont des trucs sympas en fait. Donc, si je prends quelqu'un d'autre, le prochain, ce sera un berserker. Enfin, un berserker. Un mec avec une hache. Donc, ouais. Bon, bah, pour l'instant, j'en ai qu'une, ça suffit. Allez, on peut les vendre. Là, on a deux dagues empoisonnantes. Encore une autre. Ça, c'est du... truc, là, à vendre. Là, on a quoi? Armure hors la loi intermédiaire. Ah. Non, pas toi. Wallart. Parce que là, il y a du critique, par contre. Ah non, mais c'est intermédiaire. Ouais, non, non, c'est pas... Il y a trop de... Non, c'est pas intéressant, parce qu'on a mieux... Putain, on peut pas agrandir le... l'inventaire, ça me rend fou. Statut de championne. Scalpel, après il y a les rats. Bon, ben voilà. Voilà, on doit se reposer de toute façon. On doit se reposer. On va pas pouvoir... Attends. Nickel. Il y a une chance qu'on se fasse attaquer, donc... autant soigner tout le monde. D'abord, on a de la chance. Les ratops, ils peuvent attendre. Mettre un là. Qui peut... Tiens, voilà. Est-ce que je répare leurs armures? Parce qu'on peut se faire attaquer. Réparer tout, ce serait 20. Putain, 20, t'es sérieux? Je pense pas. Ah, mais réparer tout dans l'inventaire aussi. Ah, toi, tu me fais chier, ces deux. Toi aussi, tu me fais chier. Toi, c'est 3. Bah, alors, toi, tu me fais encore plus chier. Ça va, il y a quand même de l'armure là. De toute façon, si on se fait attaquer on se préparera. OK, tout le monde est en train de faire des trucs, ça va. On va aller chasser du sanglier. Ah, du coup, ça coûte moins cher. C'est étrange, hein? Coûte moins cher en, bouffe. Ah, c'est parti. Ok. J'ai vu les coffres ont été blanchis. Yes, ça tue. Trop est reposé. C'est bon. Il y a quand même quelqu'un qui va parler. Genre, hey, on a fait une guerre, ça a duré. Si je continue à ce rythme, je ne tiendrai pas longtemps. J'ai encore mal aux côtes et ma vision est toujours aussi trouble. Tu m'étonnes. Alors, si j'ai caché ses craintes aux autres.
Laissez planer sur la troupe un silence gênant. Boudeur. Statue Boudeur. Ça va. Reprocher, endurer. Ça me fait chier en fait. Vas-y, Boudeur. Repos restant 3. Après le repos, la troupe gagne 2 points de bravoure en moins. Mais putain, tu me fais chier quand même. Tu me fais chier. On a fait la guerre des 30. C'est pas la guerre des 300, mais la guerre des 30. On a tué plus d'une centaine de personnes au final, je crois. Parce qu'on a eu 93, je crois, cadavres. Mais honnêtement, je crois qu'on a tué beaucoup plus. Hein. La vache. Attends, par contre, ça, tu me donnes ça. On va le mettre sur elle. Tous les tanks, en fait, il faut qu'ils aient ça. Par contre, l'aveuglement, sur qui on peut le mettre? C'est qui se fait engager, en fait? Souvent. Ben, enfin, l'ours, à part l'ours. Je sais pas sur qui le mettre, le miroir. Le miroir est vachement bien, hein, mais bon, faut le mettre sur un tank, quoi. On va le mettre sur Aegram. Hein. Qu'est-ce qu'on a un truc qui va bien dans ta catégorie, toi? Dégâts critiques. Portée. Ça. Unité à 50% de chance de résister aux applications de poison. Ouais. Bon, c'est bien. Bon, bah, je crois qu'on va rentrer en ville. Je crois qu'on va rentrer en ville. Oh merde, qu'est-ce que je viens de faire? Waouh! Mais c'était que... Ah, repère des bandits! Lol. Yeah, critique 5, volonté 1. Chou farci. Critique augmentée de 10%. Waouh! Ça tue ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, des draps! C'est pas mal. Vraiment pas mal. On va rentrer à la ville. Moi, il faut que je fasse une pause. Laissez-moi la police. Ah, il faut que je fasse une pause. Par contre, on va finir l'épisode sur ça. Je sais pas comment je vais le découper, mais ça va être une horreur. Donc, c'est là qu'on doit. Argent x 5. Astrum Cap, ok. Alors, faut le retirer du coffre. Donc, hop. Eh, on va se faire un petit pactole d'argent, hein. Ça vaut cher, hein, ça. Ça vaut cher, hein. Parce qu'on les a volés, en plus. Du coup, c'est tout bénef pour nous. Alors. Bah tiens, on va tout vendre. On était à 1300. Enfin, j'en ai vendu un, on était à 1200. Hop. On est passé à 1800. Et après, on va tout vendre. Voilà, on était à 1200, on est à 3500. Je crois que ça va. Je crois que ça va. Honnêtement, on a fait du super boulot. On a fait du super boulot. C'est ça a duré 4 heures, mais c'était. Honnêtement, c'était fun. J'ai envie de dire. Honnêtement, c'était fun.
Ça valait le coup. Je crois que du sel, j'en ai plus trop. Non, ça, j'en ai encore 50. Je vais prendre du gibier parce que j'ai des trucs à crafter, je crois. Encore du mouton, très bien. Faire des gigots ou je sais pas quoi. Là. Pas très cher de réparer. Bon. Taverne. Prochain, c'est des draps. Les clans, ils veulent des draps. Je crois qu'on en a déjà. On a déjà quelques-uns, mais c'est pas assez. Faudrait encore une fois les voler. Hein. Comme ça, c'est tout bénef. En fait, à chaque fois de voler les choses comme ça, c'est tout bénef parce que ça se vend méga méga cher. Enfin, certains, pas tous apparemment. Là, c'est 38 les draps. Mais l'argent, c'était 122 l'un. C'est ouf. Bon. Après, là, on a juste à tuer des gens. C'est que du facile. Là, on a un archer. Ah oui, cette habilité au final, honnêtement, je la trouve pas intéressante. Parce que, en fait, elle coûte un point de bravoure. Si elle coûtait pas de point de bravoure, genre. Je sais pas. Comme d'autres habilités, des fois qui coûtent pas. C'est très rare, je sais, mais il y en a. Mais à moins qu'on peut générer énormément de bravoure dans un tour et tout sans problème, d'accord. Mais sinon, c'est vraiment une perte. Là, on a une autre épéiste. Pas vraiment besoin d'une deuxième. D'une troisième plutôt. Mouvement réduit de 1 en plus. Bon, peau dure, c'est sympa, mais mouvement réduit de 1, ça casse les burnes. Ah, encore un épéiste. Ben, ça y est, maintenant. Maintenant, il n'y a plus que ça, quoi. Sans déconner, il y a que des épéistes quoi. Tu te fous de ma gueule. J'en ai cherché tellement. Il est moins cher lui par contre. Je sais pas pourquoi ils sont moins chers. Parce qu'ils sont niveau 4. Bah non, notre réalité était niveau 4. C'est la ville en fait. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il nous faudrait un mec avec une hache. Pas d'autres épéistes. Épéistes, on en a deux. On a fait un DPS tank. Non, un DPS à une main en fait avec l'épée magique là qui est vraiment bien on a fait un buffer soigneur avec encouragement et tout ça et un debuffer aussi parce que quand il passe à travers les cibles là, il met quoi? Il met ralentissement et il met affaiblissement. Genre un troisième, qu'est-ce qu'on en fait du troisième? Genre ça, lacération inflige 2 fois 24 dégâts à toutes les unités dans la zone. C'est 2 mètres. Utilisable après 2 attaques. Ça a pas l'air top. Ah, j'imagine que l'attaque. Par contre, le truc boosté peut-être, lacération boostée avec un livre là, ça peut être intéressant. Mais ouais, non, pour l'instant, je vois pas vraiment. Ce qu'on pourrait en faire d'un autre épéiste. Non, comme j'ai dit, des masses, on en a à foison. On a 2 archers, 2 voleurs, c'est très bien. Des masses, on en a trop. Bon, toi, elle sert à rien, on s'en fout. Épéiste, on en a 2, c'est bon, là, ça va. Klaska, elle est très bonne en plus. Donc, ça va. Elle fait des bons dégâts. Ouais, un mec avec une hache. Et on le build différemment. Tous les alliés engagés gagnent riposte. Ah mais les alliés engagés, c'est chaud quoi. Ce serait qu'une armure lourde. Est-ce qu'on peut en faire un tank? Il y a des haches à une main? Je me rappelle pas du tout ça par contre sur le jeu. Je sais qu'il y a des haches en...
Non, je crois que ça n'existe pas des haches à une main. Il y a des masses à deux mains et à une main. Il y a des épées à une main et à deux mains. Je crois pas qu'il y ait des haches à une main. Parce que ça pourrait être intéressant. Bon, déchaînement, c'est bien. Ah oui, quand on reset aussi, j'en ai pas parlé ça. Quand on reset la spécialisation, l'habilité qui a été boostée avec un livre là, un livre à 300 pièces, il reste boosté. Donc ça c'est bien. Si vous avez boosté une habilité, vous pouvez la reprendre. Si vous avez juste envie de changer une seule habilité autre part, ça passe bien. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire en fait d'un deuxième Enfin, il en faudra un deuxième de toute façon. C'est bien. Dégâts à toutes les unités dans la zone. Attaque une fois pour chaque unité dans la zone. Ça peut être intéressant. Tourbillon. Tous les alliés engagés gagnent riposte. Ça m'intéresse, mais. Après, on a quoi? On a déviation. Ah, s'il peut faire hache et bouclier, ça veut dire qu'il y a des haches à une main. Hein. Je suis con. Débile, hein. Non, si, il y a des haches à une main. C'est juste qu'on n'en voit quasiment pas, en fait. Épée à une main, hache à une main. Ben oui, voilà, il y a ça. On pourrait en faire un tank, en fait. Parce que là, on a épée, deux mains. Là, épée, une main. Hache, deux mains. On pourrait faire un tank, en fait. Un tank en hache. Ah, oui. Parce que toi, t'es en armure médium. Non, t'es aussi en armure lourde. Ah, mais c'est tous armure lourde? Ah non, mais non. Toi, t'es épéiste. Toi, t'es en armure intermédiaire. Ah, on pourrait faire un tank hache. Ouais, c'est ce que je vais faire. On a fait un tank épée, qui est très bon, qui fait des gros dégâts. Enfin, non, on a un tank plutôt DPS épée. On a un tank extrêmement puissant, masse. Et puis, il y a ça qui fait très mal. Donc, elle est cool. Et on pourrait faire un tank hache. Hache bouclier. Et on ferait ça, on prendrait sentinelle. Sentinelle. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez un nom. Chaque fois qu'une s'engage. Elle peut avoir aussi déviation. Donc à la limite, on peut en faire un vrai deuxième tank comme Lucie. Et après, alors pas ça, qu'est-ce qu'on peut mettre? La première compétence utilisée chaque combat inflige 100% de dégâts supplémentaires. Ouais. À la fin de son tour, cette unité perd 10% de sa santé maximum pour avoir fureur. Ouais, bof. C'est pas vraiment intéressant. Là, c'est quoi ça? L'unité et tous les alliés dans la zone gagnent brutalité pendant deux tours. Cri de guerre. Cri de défi attire en mêlée tous les ennemis dans la zone. Applique fragilité pendant un tour. Vous êtes ainsi désengagé. Et là, tant que cette unité a moins de 30 HP, la santé qu'elle inflige toujours le coup critique. Ah oui, on peut en faire un super critique tueur, je sais pas quoi là. L'unité gagne le statut de loup solitaire. Ouais, 5 mètres. 5 mètres, c'est chaud. Hein. Non, on est toujours en équipe. Hein. Ça, par contre, c'est vachement sympa. L'unité a 25% de chance d'esquiver les attaques à distance et les attaques de zone. C'est pas mal, ça. Bon, on va en faire un tank. Prochain tank. Il me faut un mec à la hache. Faut que j'achète un mec à la hache. C'est cool. On va s'arrêter là, je crois. On continuera la prochaine fois. Peut-être faire quelques missions histoire de se la couler un peu douce. Tout en cherchant un nouveau mec. Les huiles, les composants. Remède imparfait. Remède imparfait, c'est vachement sympa. Hein. Ça économise énormément de remèdes normaux en fait. Ouais, c'est vachement sympa ce remède imparfait. Et on avait dit qu'on voudrait des onguents là, inifugés. On peut en prendre, faire d'autres. On peut en faire d'autres. Je dirais pas non.
Très bien. Antidote, c'est quoi? Oui, ça aussi. Herbier, pas besoin. Des bombes, on va en faire quelques-unes. Elle est bien, elle, cette Orline, là. Elle est vachement cool. Hein. Avec ses bombes et tout ça, là, on a fait un build vraiment sympa, hein, je suis content. Vraiment très, très, très sympa. Et après, on a pareil avec de l'incendiaire, par exemple. On pourrait mettre, balancer de l'embrasement partout, en fait. Ça pourrait être aussi intéressant. Ok, très bien. Ah oui, je voulais voir pour le remède de peste, parce que je m'en fais un petit tas. Vu qu'on est beaucoup, il nous faudrait une vingtaine de remèdes. L'ours, il est en bon état, ça va. Ouais. Il faut qu'on se refasse une chasse aux sangliers, là, qu'on ait plein de sangliers avec nous. Mais peut-être pas ici, parce que ici ils sont très bas niveau. Peut-être ailleurs. Ouais, le prochain mec avec la hache, on lui met le truc ignifugé aussi. Ouais, non, là c'est que des épées. C'est fou d'avoir autant d'épées, honnêtement. C'est fou. Là, tous les mecs à recruter, c'est des épées. Ah, ça on prend. Allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On est très content de la troupe. Toi, tu peux pas te mettre au feu, non. Très content de la troupe, ça marche très bien. Faut qu'on ait plus de d'animaux, ça aide, hein, honnêtement, contre les combats comme ça bloque et tout, on fait du feu et tout, c'est vraiment cool. Et les archers, honnêtement, je pense que on va leur prendre ça, hein, quand on aura... Ouais, ça sera niveau 10, mais ça, hein, le changement d'arme. Parce que les arcs de feu, là, entre arc de feu et arc normal, ça aide. Hein. Ça aide vachement. Donc ouais. À la prochaine, portez-vous bien, merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao!